Là, il n'y a plus le temps. Monsieur, on a un problème. Que se passe-t-il? Le groupe N s'approche du tuyau de confinement. Activez le système G. Mais ça va les tuer. Obéissez, Jessica. Résultat d'analyse du patient. Monsieur, son rythme cardiaque a diminué. Débrouillez-vous pour faire augmenter la pression artérielle. Il faut augmenter la concentration du liquide. Débrouillez-vous, je vous ai dit. Alors Thomas, on est tôt. On a ajouté 50 ans finis de désormais. Ouais, je te sens encore. Monsieur. Bonjour Pauline. La situation s'est améliorée? L'air est toujours irrespirable. Le taux de dioxyde de carbone est de 36%. En zone instable, la température monte jusqu'à 64 degrés. On peut encore améliorer la solution. Améliorer là? Jessica, qu'est-ce que vous ne comprenez pas dans activer le système G? Pardonnez-moi, monsieur. Là, le garçon va vers la fille tout paniqué. Il lui dit. Je pense pas que c'est un petit peu trop exagéré. Ouais, ben. Soit 1,1 milliard de personnes n'ont pas accès à l'eau potable à cause de la sécheresse ou de l'absence d'équipement pour puiser l'eau ou pour la rendre potable. Stress hydrique et pénurie d'eau. Près de 2 milliards d'individus, c'est-à-dire un tiers de l'humanité, vivent dans des pays en situation de stress hydrique. Selon l'Organisation des Nations Unies, un pays est en situation de stress hydrique quand ses ressources naturelles en eau douce sont inférieures à 1700 mètres cubes par personne. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Face au brusque réchauffement climatique, 5 ans après la mise en place du projet WL pour préserver les ressources en eau, l'État fait face à une crise sans précédent. Dans certaines zones, les températures avoisinent les 60 degrés. L'État conseille de sortir peu et de rester à l'abri du soleil. Ces propos alarmistes rejoignent ceux de nombreux scientifiques qui estiment que la température continuera de monter de façon inexorable et exponentielle, réduisant encore l'espérance de vie. Bonsoir. La quasi-totalité des pays de la planète bleue sont actuellement en alerte rouge. En effet, les pénuries d'eau s'intensifient et le niveau de la mer a considérablement baissé. L'élaboration d'un sérum par la coalition internationale récemment créée, LIFE, est en cours. Il bénéficierait des propriétés présentes dans l'air et dans l'eau, permettant ainsi à l'espèce humaine de se maintenir en vie et de reprendre espoir. Je m'appelle Amir.
J'ai réussi à m'enfuir du camp 0852 établi plus au nord. Je m'adresse à vous. Life n'est pas ce qu'il prétend être. Cette organisation utilise les plus démunis comme cobayes pour que les plus riches puissent s'assurer une vie paisible. J'ai vu ma femme mourir sous mes yeux. Dehors, l'air est irrespirable. Le climat est sec et aride. Je ne sais pas si je vais survivre longtemps. Le monde autour de nous s'écroule peu à peu, tandis que les hommes continuent d'être hypocrites et avares. À quoi bon cet entêtement qui nous a valu notre mort? Je m'adresse à vous. Prenez soin de cette ressource, car sans elle, le monde n'est que poussière. Fin du message.